Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com. Et aujourd'hui, je vous parle du film Fascination, Coral Reef Treaty, Hunters and the Hunted, de René Schopfer, sorti en Blu-ray 3D et Blu-ray chez Universal le 12 novembre 2013. Ce documentaire animalier montre des images de plusieurs animaux marins, se penchant plus particulièrement sur la relation prédateur-proie. Sans être un grand expert en documentaire animalier, il me semblait que ce genre devait, au minimum, être une source d'information sur le sujet qu'il développe. Malheureusement, le texte n'offre à peu près rien d'intéressant à ce niveau. Quelques informations pertinentes sont saupoudrées parcimonieusement durant le film, mais il faut rester très attentif pour en attraper une au milieu d'une tentative plutôt vaine de construire une personnalité et même une narration autour des personnages et des réactions des animaux à l'écran. Il ne s'agit pas seulement de raconter le fond de la mer, mais d'essayer de donner une psychologie anthropomorphique à des personnages qui n'en sont pas et que l'on ne suit pas nécessairement. Bref, on parle beaucoup plus de ce que les poissons ont dans la tête, de ce qu'ils font réellement et surtout pourquoi. La plupart des images restent cependant intéressantes et souvent très belles, même si on sent que le film a été fait pour être visionné en 3D, le 2D laissant un sentiment de manque dans l'image malgré tout. Certains plans sont très réussis, alors que d'autres sont simplement ratés. On en vient à se questionner sur la valeur du film de manière générale, quand on n'est pas un consommateur de documentaires animaliers, au point où, quand on tombe sur une information qui pourrait nous sembler pertinente, le premier réflexe est de douter de cette affirmation donnée par la même voix qui semblait donner des intentions à une murène dans la scène précédente. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais DTS HD 5.1, français, catalan, italien et japonais DTS Surround 5.1, et français canadien, espagnol, brésilien, portugais, tchèque, hongrois et turc, Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais, français, français canadien, italien, catalan, espagnol, japonais, coréen, suédois, danois, finnois, allemand, norvégien, portugais, bulgare, arabe, tchèque, grec, hongrois, brésilien et letton. Il n'y a pas de supplément sur le disque. Bref, le film vaut beaucoup plus pour les images que pour le reste. Mais même pour celle-ci, il semble manquer quelque chose que peut-être la 3D nous donne. Après réflexion, il serait plus judicieux de regarder le film en mode musique qu'avec une narration qui donne l'impression d'être devant une émission pour enfants, mais avec de vrais animaux marins. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement!